tout le monde dit que c'est un tigre, mais depuis ce matin, je dis, est-ce qu'on est sûr que c'est un tigre? Parce que vous savez, très souvent, les gens, le public en général, mélange les tigres, les lions, les panthères, les léopards, enfin, personne ne sait plus ou moins ce que c'est. Quand j'ai vu cette photo, moi, floue, ce matin, de ce soi-disant tigre qui a été repéré, je crois, par la femme du propriétaire du supermarché de la petite ville où c'est qu'il a été, il a été repéré, j'ai dit, est-ce qu'on est bien sûr que c'est un tigre? Alors apparemment, elle dit que c'est un tigre, le maire a dit que c'était un tigre, et puis alors maintenant, tout le monde change d'avis, ça serait un félin, mais on ne sait pas lequel. Donc moi, je n'en sais pas plus non plus. Je vous dis, à voir comme ça, ça, il a peut-être des oreilles un peu de lynx ou de puma. Ça peut être un mélange de tigre et de lion. Vous savez, ça donne des ligrons. Enfin, il y a plein de choses. Ou ça peut être tout simplement aussi, j'espère que ce n'est pas ça, mais enfin, j'espère, ça serait plus moins dangereux. Mais j'espère que ce n'est pas un canular et que quelqu'un ait déguisé un chien et puis que tout le monde croit que c'est un tigre ou un félin qui se balade comme ça. Alors, est-ce que tu serais dans la situation pour intervenir concrètement sur le terrain pour l'attraper? Je ne vais pas faire plus que les gens qui sont certainement compétents là-bas. S'ils peuvent savoir où est-ce qu'ils se trouvent, je pense qu'il faut déjà délimiter le périmètre de l'endroit où est-ce qu'ils se trouvent, le barriérer, éventuellement le faire rentrer dans un enclos, ou alors avec un fusil hypodermique, l'endormir, et puis l'identifier si on peut l'identifier, mais surtout pas l'abattre, parce que cette pauvre bête y est strictement pour rien. Je pars du principe que c'est certainement un animal qui était détenu par quelqu'un dans l'illégalité, dans sa propriété ou dans sa maison, je ne sais pas, dans un enclos, d'où il s'est échappé. Vous savez, il suffit que quelqu'un soit tombé amoureux d'un jeune petit tigre, qu'il l'ait récupéré, que l'animal ait grandi, qu'il ait eu peur ensuite de l'approcher, qu'il soit dans un enclos et qu'il ait réussi à sortir de cet enclos. Et à ce moment-là, la personne qu'il aurait éventuellement avec lui ne sait plus comment faire pour pouvoir le récupérer, parce qu'il peut-être il en a peur, et puis après il est hors la loi et il peut avoir de gros problèmes, parce que tout le monde n'est pas apte à pouvoir détenir ce genre d'animaux. Et puis il faut avoir un certificat de capacité, c'est le ministère de l'Environnement qui vous le donne, il faut avoir un droit d'ouverture pour les présenter en spectacle, et puis il faut que l'animal soit identifiable, il faut qu'il ait une puce électronique comme on le fait pour les chiens et pour les chats, qui fait qu'on permet d'identifier un animal et qu'il n'y ait surtout pas de trafic quel qu'il soit. Alors, est-ce qu'il peut se déplacer vers Paris, vers Vincennes, vers le bois de Vincennes, tout ça? Je pense qu'il doit être mort de trouille, le pauvre, de vous à moi, il doit être caché quelque part, il doit attendre que ça se passe, et il est plus peureux et craintif qu'autre chose, à mon avis, et c'est pour ça qu'on le trouve pas et qu'on ne le voit pas. Si, encore une fois, il s'agit bien d'un fauve ou un tigre ou je ne sais quel animal ou je ne sais quelle supercherie, si c'est peut-être le cas.